La poussière vole sous les pieds du condamné qui me précède. En voulant éviter Jean et sa mère, l'un des badauds qui se bouscule se précipite et nous double en nous dévisageant, glisse et manque de tomber. Il se rattrape, accélère pour récupérer le retard qu'il a pris et se remettre au niveau du compagnon avec qui il causait, lequel a continué d'avancer à grandes enjambées. Il le rejoint. Tous deux disparaissent en se frayant un passage dans la foule. Veulent-ils être bien placés pour assister au spectacle de notre supplice quand nous serons arrivés ? Estiment-ils que les soldats qui nous encadrent et les tiennent à distance, et même nous, qui portons nos croix, avançons trop lentement ? Quelle motivation anime leur hâte ? Au bras de son fils, apparaissant et disparaissant, selon les anfractuosités du chemin, la fluette mère de Jean s'applique à regarder devant ses pieds. Comme doit lui paraître irréelle cette veillée où elle m'avait demandé, de façon inconsidérée, devant tous, que ses deux fils soient assis, l'un à ma droite, l'autre à ma gauche, lorsque nous serions dans mon royaume. J'avais alors vu sur les visages rougis par la lueur ocre des flammes qui venaient d'embraser le fagot que l'un de nous avait jeté sur les braises pour faire reprendre le feu, combien une telle demande avait étonné, scandalisé. Les plus gênés, à coup sûr, étant les deux intéressés. Brave petit bout de femme. C'était il y a 3 semaines. Nous étions encore en Galilée. Jacques se rapproche et prend le bras libre de sa mère. Hormis le père qui ignore ce qui se passe ici et à cette heure doit être en mer à jeter le filet avec ses marins, toute la famille Zébédée est là. Résignés, silencieux, les deux frères accordent leurs pas sur les miens. Les regards désespérés qu'ils me jettent en soutenant leur mère montrent leur désarroi. Cette montée au calvaire doit être un mauvais rêve. Qu'il me semble loin, l'après-midi de ce même jour où j'ai laissé entendre aux 12 que je n'avais pas l'intention de monter au temple cette année pour la fête. Sachant ce qui m'attendait, mais voulant rester maître de la situation jusqu'au bout, je ne voulais pas, si les événements se précipitaient, qu'ils m'empêchent de terminer ma mission. Entre autres enseignements, il me restait encore à faire comprendre à mes amis que l'heure approchait où j'allais les laisser seuls, ce qu'ils se refusaient à entendre, même quand je leur assurais que lorsque j'aurais rejoint définitivement cette vérité vers laquelle je les conduisais, ce royaume de Dieu, ou des cieux, comme je l'appelais aussi, je ne les abandonnerais pas. Ou quand je leur précisais, quand 2 ou 3 se réuniront en mon nom pour prier le Père, je serai avec vous. J'avais aussi en tête que, malgré la persévérance dont ils avaient fait preuve tout le temps qu'ils avaient passé à mes côtés, ils seraient vite tentés par les attraits du pouvoir quand ce serait leur tour de prolonger le message de paix que j'avais reçu mission de proclamer par toute la terre. C'est pourquoi, connaissant la nature humaine, je devais trouver un geste fort, plus aisé à mettre en pratique au quotidien que la mort spectaculaire qui m'attendait, si je voulais qu'ils deviennent des exemples que l'on a envie de suivre, des témoins qui vivent du même amour que celui qui avait guidé ma vie. Cet amour dont ils m'avaient vu vivre et témoigner en toutes circonstances, qui était la vraie raison pour laquelle autant d'hommes et de femmes de bonne volonté faisaient des milles et des milles pour venir m'écouter. Oui, il me fallait inventer un signe pour qu'ils comprennent que ce n'était pas en se comportant comme des chefs qui imposent leur certitude qu'ils pourraient communiquer et faire entendre la bonne nouvelle dont ils avaient eu eux-mêmes l'intuition qu'elle serait déterminante pour réussir leur vie. Cette parole dont ils allaient à leur tour être les messagers. Déjà, lorsqu'il m'arrivait d'opérer ce qu'il est convenu d'appeler un miracle sur un étranger, un habitant de la Décapole, de la Syro-Phénicie ou de la Samarie ou encore un Romain, je me contentais de lui demander de ne plus pécher. Tout au plus, quand je guérissais un lépreux, si ce lépreux était juif, lui conseillais-je d'aller se montrer au prêtre pour faire enregistrer sa guérison. Dans cet esprit, j'avais déjà expliqué à tous ceux que j'enseignais qu'il ne fallait jamais appeler quelqu'un maître
ou père surtout, car tous, qui que nous soyons, nous n'avons qu'un seul père, celui qui est dans les cieux. Incitation à vivre correctement notre vraie fraternité, qu'avaient du mal à accepter les scribes et les pharisiens, pour qui être religieux consiste avant tout à bien dire, mais pas nécessairement à faire. Lorsqu'à la fin des après-midi, arrivait le moment où nous organisions le partage des vivres afin que ne repartent pas sans manger ceux qui étaient venus parfois de fort loin pour m'écouter, mes amis avaient déjà pris l'habitude de se servir en dernier. Ils attendaient que tous soient rassasiés, récoltaient la nourriture qui n'avait pas été utilisée, et seulement alors, nous mangions. J'avais réussi aussi à leur faire comprendre cette notion fondamentale du respect auquel a droit tout être humain, qui implique, quand on parle à quelqu'un, qu'on le regarde vraiment, pour le voir au-delà de ce qu'il laisse apparaître, qu'on l'écoute avec toute l'attention dont on est capable si l'on veut discerner ses véritables attentes. Comportement simple, mais exigeant, qui doit être celui de quiconque ambitionne de vivre de manière fraternelle. Attitude élémentaire qui n'est pas évidente pour tout le monde. Enfin, hier soir, m'est venue l'idée de leur laver les pieds. Ah, la réaction, surtout celle de Pierre, avec qui j'ai dû me fâcher pour qu'il accepte que je m'agenouille humblement devant lui. « Alors lave-moi tout entier !» s'est-il enfin incliné, n'ayant toujours pas compris, mais s'abandonnant avec la même confiance que lorsqu'au début de la mission, il avait décidé de rester avec moi au sortir de la synagogue de Capharnaüm avec ceux qui m'accompagnent depuis. Les autres, qui croyaient déjà être de mes disciples, me lâchant dès lors parce que j'avais dit, de façon difficile à supporter, il est vrai, car je n'avais pas encore eu le temps de les préparer à l'entendre, qu'il leur faudrait manger mon corps et boire mon sang pour entrer avec moi dans la vie éternelle. Mais était-il possible d'exprimer avec une force plus grande que ce que le Père souhaite et donc nous demande, c'est d'assimiler, de digérer le message de paix qu'il m'a envoyé proclamer. Ne pas en rester au stade des idées, mais transformer celles-ci en actes, comme je le conseille dans la prière qu'à leur tour je leur ai enseignée. N'est-ce pas la condition pour qu'advienne sur terre la justice, cette justice divine qui est au cœur des aspirations du plus grand nombre, afin que l'humanité entre enfin tout entière dans ce monde nouveau que s'emploie à construire les hommes et les femmes de bonne volonté de tous bords. Cette justice divine qu'ont appelé de leurs vœux tous les hommes de Dieu, depuis Melchisédek qui en annonça les prémices en offrant du pain et du vin à Abraham, jusqu'à Jean-Baptiste, dont c'était la clé de l'enseignement, et le prophète Daniel, pour qui cet avènement devait être marqué par la venue de ce qu'il appelait un fils d'homme. Expression que j'ai pris l'habitude d'utiliser pour montrer le but à atteindre quand j'ai vu mes amis s'engager à ma suite sur le chemin de spiritualité qui conduit à la vérité, ce domaine auquel Dieu, qui a créé l'homme à son image, donne accès. Nécessité de se nourrir de la parole de Dieu que j'ai encore réaffirmée cette nuit, mais en d'autres termes, à Pierre, Jacques et Jean, que j'avais choisi pour qu'ils m'accompagnent dans mon épreuve finale. Veillez et priez en tout temps. Mes trois amis qui n'ont pas pu résister au sommeil, auquel je me suis résigné à faire remarquer, tandis que je m'en retournais pour continuer à me préparer après les avoir réveillés une troisième fois. Décidément, si votre esprit est ardent, que votre chair est faible.